Recep Tayyip Erdogan reprend la main après le coup d'État avorté. Le président turc s'est exprimé devant des milliers de ses partisans réunis à Istanbul, accusant le prédicateur exilé aux États-Unis Fethullah Gulen d'être responsable de ces troubles. Il a demandé une nouvelle fois à Washington de l'extrader, tandis que la foule réclamait l'exécution des putschistes. Je vous ai dit que ces gens préparaient un coup d'État, mais vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, après cette tentative de coup d'État, je le répète, donnez-nous cette personne en Pennsylvanie. Si nous sommes des partenaires stratégiques, si nous sommes des partenaires modèles, alors s'il vous plaît, accédez à notre requête. Ma demande s'adresse aux États-Unis. Quel que soit le terroriste que vous nous demanderez de vous rendre, nous le ferons. Maintenant, c'est à votre tour de nous rendre cette personne qui est dans notre liste des terroristes. Vous êtes aussi possible.